retour sur le plateau avec l'EMA. EMA, École de Musique Actuelle, qui se trouve à Saint-Leu, il me semble. Qui, on l'a vu depuis quelques jours, des petits soucis. Vous partez tous pour vous êtes censés partir le 5 juillet pour vos examens. C'est ce qui fait en sorte que l'École de Musique Actuelle, elle est diplômante. Oui. Et la dernière partie, il faut le finir à Paris, c'est ça, pour avoir un diplôme. C'est ça. On peut même le préciser, c'est la seule école qui est diplômante. C'est la seule école qui est diplômante. En plus, raison de plus. Non. Même. Et là, on vous dit que on vous aide pas pour y aller. C'est ça. Ou en tout cas, on évite de répondre au sujet. On va dire ça comme ça. C'est flou, ouais. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? Alors, en fait, on a lancé une campagne de financement participatif. Parce que du coup, vous demandez au public de vous aider. Voilà, exactement. En fait, comme on ne peut pas attendre d'avoir une réponse parce que les délais sont très courts. Parce que c'est la période des vacances scolaires, enfin juste avant les vacances scolaires, donc il y a très très peu de place sur les vols. Les billets d'avion, les départs, et les départs en plus, pour les ça études cher. Et tout, exactement. Et ça coûte super cher. Voilà, ça coûte cher, il faut réserver tôt, et il n'y a pas beaucoup de place, donc on ne peut pas en fait attendre d'avoir une réponse. Donc on une réponse un peu... qui vous avez demandé à qui ? J'ai la réponse, mais j'ai la réponse à la question. Ouais. J'ai du mal ce soir, j'y suis, c'est pas possible. Je suis fatiguée, ça doit être ça. Ça va bien se passer. Oui, non, vous n'allez pas me faire de mal, j'en suis persuadée. À qui du coup vous avez posé la question ? À qui où sont parties les demandes ? Alors, en fait, il y a des organismes de financement qui sont censés être spéciaux pour ça, pour le financement des étudiants qui doivent partir en métropole pour passer leur diplôme, etc. Il y a un budget spécial pour ça qui est prévu à une commission qui est censée se repousser. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de délai, parce que ces aides-là vont être accordées, mais trop tard, en fait. Après, les organismes sont différents et ils sont sans... Comment dire ? Ouais, tu m'as l'air très énervée, Léonie, historiquement, en fait, ça doit être fait comme ça. Et donc là, on est en train de faire des demandes et tout ça. On est en train de devoir faire nous-mêmes quelque chose qu'on ne devrait même pas demander, en fait. D'accord, ouais. Il faut savoir qu'il y en a 4 l'année dernière qui sont partis. Les 4 sont revenus avec leur diplôme. Voilà. Hein, donc 4 sur 4, moi je trouve que c'est une excellente moyenne quand même. Troisième moyenne. Et cette année, on vous dit rien. Comme ça, c'est réglé. On repousse on repousse un petit peu tout. Et puis en fait, on ne veut pas... Vous avez l'impression quoi Quelles vous êtes... sont les portes auxquelles vous avez frappé Je ne saurais pas vraiment dire. En fait, principalement, il y a la DACOI. Qui est DACOI, c'est la direction des affaires culturelles. Donc, ils sont tous pile poil, quoi, d'accord, pour le sujet. Après. Donc, en fait, c'est la seule porte, puisque c'est le partenaire principal qui doit normalement nous aider sur ce type d'action, en fait. Ouais. Et pour l'instant, les portes restent fermées, c'est ça? En fait, c'est pas qu'elles sont fermées, mais c'est qu'elles sont pas du tout ouvertes en même temps. Donc, on a des rendez-vous qui sont repoussés, des commissions aussi qui sont repoussées. Donc, on attend. On espère que d'ici là, ça va se débloquer. Et en attendant, on a pris un peu la chose en main, en fait. Et on mobilise les troupes et on essaie de plutôt... Combien de billets d'avion par personne ? 1300 en moyenne. Ah oui, minimum, si t'attends, ça va être plus. Hein. Tu veux que je t'explique quand je pars avec ma fille au mois de juillet à la fin des émissions, comment ça me coûte un bras ? Tu me tires le bras, les deux pieds, et après, quand j'arrive, je pleure, tu vois. Alors, et pour les guitaristes, ils peuvent plus jouer. J'ai fait les réservations aujourd'hui. Ouais. Et pour les dates dans lesquelles on part, c'est 1480 euros. C'est ça. Par personne. Et vous partez combien de temps du coup ? On part 5 jours, c'est ça ? 5 jours. Oui, donc c'est même pas des vacances quoi. Non, c'est pas des vacances. Enfin, voilà. Non, il faut bien que les gens comprennent que c'est vraiment pour un diplôme, c'est pas pour des vacances. Et que. Combien d'années vous avez bossé pour avoir peut-être le moyen ? Le diplôme se fait sur 3 ans et moi je suis rentrée en deuxième année directement. Donc ça peut se faire en 3 ans normalement ou en 2 sinon. En 2 quand on est doué. En 2 ans. Non, pas forcément. Doué, en fait. Non, pas forcément. C'est quand on a déjà commencé à avoir un côté artistique, guitare, piano, voix par exemple, et qu'on n'a pas du tout le volet théorique. Là, on a été presque tous directement pris en deuxième année pour il nous manquait seulement la théorie. Donc voilà, on a fait ça en 2 ans. D'accord, donc en fait, du coup, là, il faut savoir que si vous ne partez pas, je l'espère vraiment pour vous, le 5, c'est que vous perdez quand même pratiquement 3 ans. On perd le bénéfice de tout notre travail, et même plus, même tout ce qu'il y avait avant. Dans ce cadre politique où nous sommes depuis maintenant quelques mois, la question qui se pose, c'est sur la mobilité.
les moyens de mobilité. Oui, les moyens de mobilité, surtout l'accompagnement de la formation professionnelle sur l'île de La Réunion, et plus précisément dans le cadre de la formation musicale, puisque là, la DAC est le partenaire principal qui devrait nous accompagner. Oui, du sachant coup, mais pourquoi ils ne le font pas? Est-ce que tu as une réponse? Parce que du coup, il y a une école qui est diplômante, qui sort. L'année dernière, il y en a eu 4, donc c'est quand même pas mal. 4 sur 4, c'est bien. Cette année, il y en a 7 ou 8, je crois. Il y en a 7 qui, 8 qui partent. Il y en a 8 qui partent. Ils ne vous accompagnent pas. Et bien, du coup, vous faites quoi? On appelle la solidarité des Réunionnais. Je suis d'accord, mais bon, ça, c'est... Non, mais ça, c'est bien gentil. Hein. C'est même mignon. Si vous arrivez à faire... C'est la vie est dure pour tout le monde, ça peut être très compliqué. Vous êtes 8 à partir. Hein. 1300 euros, 1400 euros les billets, ça fait un petit peu de sous. Je pense que la région vous envoie vers la DOM, hein, un truc comme ça. En fait, il faut savoir que la région, elle nous aide déjà dans le sens où elle finance une partie, elle peut financer une partie de la formation qu'on est en train de faire. Parce que c'est une formation professionnelle. Mm-hmm. Donc... qui est certifiante, donc elle peut être financée en partie par les OPCA ou la région justement. Et donc c'est le cas pour certains qui ont une partie de leur formation qui a été financée. Donc c'est difficile de demander de l'aide à ces instances-là, étant donné qu'elles nous aident déjà en fait. Elles nous aident en partie et c'est pas vraiment le même organisme. Parce que là on parle vraiment de la DACOI qui est, comme on dit, le... partenaire officiel historique de la FNEJMA. La FNEJMA, c'est la Fédération Nationale des Enseignements d'Influence Jazz et Musique Actuelle. Nous, on est une école qui fait partie de cette fédération. Il y a 36 écoles, peut-être. Une seule, sur la Réunion, il y a une seule école. Ce diplôme-là, il est reconnu par l'État au niveau 4. C'est un équivalent du baccalauréat. C'est important, en fait. C'est vraiment quelque chose qui valorise la professionnalisation dans le milieu de la musique. C'est tellement important que, en fait, maintenant, moi, je me pose plus la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils nous aident pas. Je me dis déjà, on est là à la télé, on nous voit, mm-hmm. on a compris le problème, on a mis le doigt sur quelque chose, et on appelle maintenant plutôt à la participation des Réunionnais, de tout le monde, même des métropolitains. Moi, je connais, on peut demander à tout le monde. On peut demander à tout le monde et on va faire quelque chose qui va faire bouger les choses. Au lieu de pointer du doigt la DAC pour ce qu'elle ne fait pas, on va plutôt nous faire notre truc. Alors juste pour rappeler que ces 8 jeunes ont besoin de 12 000 euros de 14 440 euros. Vous êtes 8? En fait, on est 8 à partir avec notre accompagnateur, 9. Ah d'accord, ça fait 9, d'accord, c'est un peu plus, effectivement. Donc, tu as calculé tout ça ou t'as calculé sur ton téléphone, Sérieux? Tu sais, qui est intelligent, calcul mental, ça. Si on considère qu'un billet d'avion coûte 1500 euros, multiplié par 8, ça fait 12 000. Très bon calcul mental. En comptant les frais d'hébergement et de nourriture. Mais forcément, parce que forcément, donc du coup, il y a aussi la parce que pas tout ça m'appartement. Il faut dans ce cas donner exactement ce que vous avez besoin, comme ça les gens, s'ils doivent. Alors justement, ouais, pour ça, pour dire ça un peu à tout le monde, sur le site KissKissBankBank, il y a vraiment un résumé de tout. Il y a notre parcours, il y a tout ce qu'on propose, ce dont exactement on a besoin, le prix des billets d'avion, le prix de l'hébergement et pourquoi est-ce qu'on doit rester plus longtemps. On va juste revenir le KissKissBankBank, qu'est-ce que c'est KissKissBankBank. Est-ce que c'est une plateforme de financement participatif? C'est ça. D'accord. Okay. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Tim, s'il te plaît? Alors, le KissKissBankBank, c'est une plateforme de... KissKissBankBank. D'accord, ok. Donc, c'est pour qu'ils puissent le retrouver assez facilement. C'est ça. Donc, il y a des liens qu'on est en train de partager en ce moment sur Facebook et autres réseaux sociaux. Et en fait, sur le KissKissBankBank, on propose aux KissBankers de donner de l'argent. En contrepartie, on leur offre des petites activités intéressantes, notamment des concerts privés et aussi la participation à un concert bénéfice qui aura lieu en août. Et on a la chance d'avoir Daniel Warraud qui nous a assuré sa participation lors de ce concert. Donc voilà, il y a plein d'autres petits cadeaux qu'on offre en retour de dons. Financière. D'accord. Donc, ils peuvent retrouver ça en tapant directement... Directement sur le KissKiss, l'intitulé le voyage forme la musique. Le voyage forme la musique. Ne l'oubliez pas, c'est important. Ce sont des étudiants, des élèves, et ils ne vont pas en vacances. Ils y vont pour passer leur diplôme. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas de solution. Personne ne veut les aider, ou en tout cas, on évite la réponse.
est le sujet. Donc, du coup, ça serait bien que, voilà, c'est nos enfants, nos Réunionnais, ils vont passer des diplômes et je pense qu'il faut les aider. Alors, tous ceux qui peuvent, et même si c'est pas beaucoup, je pense que c'est bien. C'est bien parce que la musique, elle est importante et puis ce sont des jeunes qui vont pouvoir faire exporter la musique de la Réunion ailleurs. Et même si on parlait de jazz, Léonie parlait de jazz, il faut savoir qu'il y a très très bons musiciens de jazz à la Réunion, si ce n'est même meilleur que dans certains pays, hein, et que voilà, et que ça vaut le coup quand même. C'est moche que je viens de dire, mais c'est vrai. Et voilà, faut les aider, voilà, Kiss Kiss, Bang Bang, il faut vraiment y aller, mettez ce que vous pouvez, comme vous voulez, et après, en plus, vous avez même des petits cadeaux. Les dons vont de 5, en fait, on peut donner de 5 à 1000 euros, et c'est vraiment d'un merci à un petit reportage, puis des concerts, et... Voilà, donc n'hésitez juste, pas. Juste rappeler que 5 euros, c'est 3000 personnes qui donnent 5 euros, ça c'est fait 15 000 tellement euros. Peu, c'est bon. Eh ben moi je le fais juste c'est... après. Voilà, si tout le monde fait ça, c'est la goutte quoi. C'est, 3000 c'est personnes, c'est pas beaucoup, je suis sûre que vous êtes beaucoup plus à nous regarder. Faire une rivière. Nous connaissons les médias métriques, Chismi voilà. Et moi, donc vous êtes beaucoup plus à nous regarder. Donc éventuellement plus de 3000 personnes à 5 euros, hein, ça peut être pas mal. On fait ça. En tout cas, voilà, et école de musique actuelle, moi je vous remercie, je croise les doigts. Je veux juste rappeler, le site c'est KissKissBankBank et le projet lui-même s'appelle Le Voyage Forme la Musique. Le voyage forme la musique. Moi, je croise les doigts pour vous. Et sérieux, si vous y allez... Non, mais vous allez y aller. On va y aller. Et vous ramenez votre diplôme et vous venez me le coller là devant la télé. ça serait génial. Avec plaisir. C'est comme ça. C'est un rendez-vous. On va tout de suite changer de plateau. Voilà, ça speed un petit peu aujourd'hui. On est un peu à la couane quand même, hein, Jismi. Hein. On vous donne rendez-vous tout de suite. On fait juste une petite pause de quelques secondes, le temps de changer de plateau. À tout de suite. La nature c'est notre amie, c'est elle qui nous donne la vie. Il faut la préserver au lieu de tout saccager. Ne pas oublier de la respecter, surtout pas la dévaster pour pouvoir respirer. Nos prochaines générations doivent avoir la révélation de la consécration, qu'ils prennent conscience des proportions vers l'amélioration pour un futur en évolution. Pour la Pachamama, pour la Pachamama. La nature c'est notre vie, c'est elle qui nous nourrit. Faudrait pas la polluer afin de la garder. Un geste tous les jours pour la protéger. Arrêter de détériorer, pouvoir en profiter. Et surtout recycler. Pachamama, pour la Pachamama, Pacha Pacha Pachamama, Pacha Pacha Pachamama. Levez les mains,
maman. Levez les mains, tous ceux qui pensent comme ça. Levez les mains pour la Pachamama. Retour sur le plateau, sacré Régie. On reçoit alors Indira Ponapin. Qui tient des magasins spécialement, elle est tout habillée en indienne, hein, vous allez voir, elle est juste magnifique. Et avec Raja, qui l'accompagne, qui vient nous parler d'une soirée spéciale. C'est ça. Qui se déroule vendredi, donc demain. Donc c'est demain. Tout à fait. C'est proche, hein, quand même. Plus tard que jamais. Hein. Et qui en même temps donc, représente un magasin qui fait et, des vêtements indiens de luxe. Ça. Donc oui, en fait, ce magasin Ponama, c'est un commerce familial, en fait, qui est spécialisé dans le prêt-à-porter, les accessoires et les décorations indiennes. Et effectivement, comme vous le dites, donc on a 3 points de vente sur le centre-ville de Saint-André, dont un qui est spécialisé depuis peu dans le luxe et les vêtements de mariés indiens. Alors, le luxe, c'est quoi chez les Indiens? Parce que déjà, quand on regarde, c'est déjà très doré, c'est déjà très... En Inde, c'est vrai qu'il y a sur le plan traditionnel, il y a également sur le plan moderne, en fait. Donc, on va dire sur le plan moderne, vraiment habiller des vêtements de soirée, des vêtements pour des événements, des galas, des cocktails. Mais également, c'est spécialisé dans le mariage indien. Donc, on a tout ce qu'il faut pour le mariage indien. C'est vrai? Ouais. C'est comment? C'est comment en Europe de... Ah bah, vous avez plusieurs types, vous avez le lenga avec le haut et la grande jupe et puis l'écharpe qui se met comme un sari. Vous avez le sari, donc c'est vraiment le grand bout de tissu de 9 mètres dans lequel on s'enroule. Et puis il y a vraiment toute la parure qui rend la mariée magnifique et exceptionnelle ce jour-là. Qu'est-ce qui va se passer donc demain soir? Demain soir, donc en fait... Qui se marie demain soir? N'a point personne. Les mariés du défilé, non. Si, monsieur a raison, si. On se marie plus maintenant? Ah non, mais c'est pour de faux, c'est pour la soirée à Tony Niceto de l'IAE. Non, je rigolais. Vraiment un mariage demain soir? Non, dis pas ça. Non, il n'y a pas un mariage. En fait, il y a un défilé donc, que nous, on organise à cette occasion. Donc, c'est un Royal Indian Fashion Show, on appelle ça. C'est un défilé mixte des collections de luxe avec vraiment une mise en évidence sur les vêtements de mariée. Vraiment pour illustrer l'activité sur laquelle on est. Mais la soirée en elle-même, c'est donc la soirée qui porte bien son nom, aux portes de l'Inde, qui est organisée par les étudiants de la licence MACAD de l'IAE. Donc à La Coya, la soirée commence à 19h30 et après vraiment ils ont monté ça toute pièce de sorte à ce que ce soit une vraie soirée indienne avec des prestations de chant, des prestations de danse et pour finir en beauté le défilé. De la musique et tout. Est-ce qu'on parlait de vêtements de mariage indien, est-ce que maintenant beaucoup est-ce qu'il en reste encore beaucoup d'Indiens qui se marient en tenue traditionnelle, vraiment comme... Est-ce que Raja veut se marier en tenue traditionnelle? Raja, tu veux te marier ou... En tenue traditionnelle? Bah oui, c'est la tradition qui veut ça. Non, là tu parles de quelqu'un qui est obligé. Non, parce que toi, tu as envie. Oui, c'est normal. D'accord. Oui. Et tu as déjà trouvé la dame? J'ai déjà trouvé le magasin. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Et la dame aussi. Et la dame et la gérante. Donc c'est déjà ça. Non, tu te rendras tout à l'heure. Oui. Non, on est d'accord. Donc, du coup, donc même la nourriture sera indienne? Oui, tout à fait. Donc, vraiment, ils ont vraiment monté ça de toutes pièces. Un repas traditionnel indien. Donc, on retrouve la cuisine tamoule en fait. Et on retrouve la cuisine indienne. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Alors, ça, c'est la différence, la cuisine tamoule et la cuisine indienne. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut m'expliquer, s'il vous plaît? La cuisine tamoule, c'est ce que vous allez avoir comme mets qui sont bénis, par exemple, lors des cérémonies. C'est vraiment typiquement ce qui se cuisine dans le sud de l'Inde. Et après, il y a la cuisine indienne, la cuisine en général indienne. Donc, qui est plus du nord de l'Inde. Qui est consommée par le nord de l'Inde, c'est-à-dire à la fois les Indiens tamoules, à la fois les musulmans. Moins épicé, voilà. Plus raffiné. Ouais, c'est épicé, plus raffiné. Oui. C'est moche pour les autres, quand même. En tout cas, parce que le sud de l'Inde a été peuplé par des gens qui sont plus modestes. Donc, souvent, pour que le curry ait un goût, on force la dose au niveau des épices. C'est vrai. Quand vous dites en Inde de ne pas mettre de piment, on vous donne un curry comme s'il y avait 15 piments dedans. Donc, il faut avoir vraiment l'estomac solide quand on mange là-bas. D'accord. Donc, du coup, combien de personnes est attendue? Je pense qu'il y a une bonne centaine de personnes, voire un peu plus. D'accord. Est-ce qu'on peut demain réserver, mais aujourd'hui, même si c'est pour demain? Bien sûr, oui. Est-ce qu'on peut sûr. Réserver forcément pour cette soirée Oui, tout à fait. Il faut alors réserver. Dis-moi donc. Il faut réserver. La place est payante, bien entendu, parce que vraiment, l'événement, c'est vraiment un gros événement. Alors, on a un spectacle de chant, une démonstration de chant qui est donnée par Dominique Amouni, qui est quand même un professionnel dans le lieu de la musique. Et puis, on a différents spectacles qui sont donnés par différentes associations de danse indienne. Et à la fin, on a un défilé. Donc, c'est vrai que c'est un budget. Le menu, c'est vraiment un menu avec vraiment amuse-bouche, plat, dessert. C'est vraiment un beau. Est-ce que c'est cuisiné par des Indiens ou par les oreilles du coin?
C'est cuisiné par le chef étoilé de l'hôtel. Donc moi, je dis, il n'y a pas mieux. Alors, juste, non, mais c'est juste... Juste pour répondre à ce que tu viens de dire, il faut savoir que Akoya appartient donc à Joël Narayana. C'est ça. Et que c'est quelqu'un qui est vraiment dans les traditions indiennes et son chef ne peut venir que de... Voilà. Non, mais c'est pour ça que je tenais à mettre l'accent. Donc il faut savoir que ça sera vraiment de la cuisine. Juste pour l'anecdote, il faut savoir que c'est là qu'a séjourné Paris Hilton lorsqu'il est venu à La Réunion. Oui, c'est pour ça qu'il demande des sous, parce que du coup, il a eu un petit peu de mal quand même. Et Dimitri Payet, si je ne me trompe pas. Et oui, et donc voilà, on va juste rappeler. Donc la soirée, c'est demain soir à La Coya, à partir de 20h. 19h30. 20h, c'est le défilé, donc. Ah oui, d'accord. Mais 19h30. Ouais. Et si on arrive à 18h30, on peut voir les filles se changer. Non, je rigole. Non, c'était pour rire. Vraiment. Du coup, oui, on rigole beaucoup sur ce plateau. Tu ne connaissais pas? Non. Monsieur Niceto, t'as pas prévenu? Non, pas encore. Ah bah, c'est bien dommage. Donc, du coup, et où est-ce qu'on peut réserver? Est-ce qu'on y va directement ou on peut appeler? Donc, vous pouvez réserver par téléphone en contactant donc la référente de l'IAE qui s'occupe de ça. Donc, Julie Thévanet au 06 92 64 20 97. D'accord, n'hésitez pas, en tout cas, sinon appelez l'IAE et puis trouvez... Juste un plat, qu'est-ce qu'il y aura au menu Si je vous dis curry d'agneau, si je vous dis... Mais vraiment, il y a de la viande, du poisson et des repas strictement végétariens pour que les personnes qui ont des restrictions... Feuilleté au cabri. Feuilleté au cabri. Ouais, feuilleté au cabri massalé. Feuilleté au cabri Müller. Mais juste pour ça, non, mais je vais te dire ça tout de suite. Je crois que j'ai reçu le... Le menu ? Oui, j'ai reçu le menu. Mais pour ceux qui ont des restrictions alimentaires, c'est parfait parce qu'il y a de la viande, du poisson et vraiment strictement végétarien. D'accord. Ouais. D'accord. Elle, c'est que strictement végétarien. D'accord. Alors, beignets carottes au cumin, pakora, je sais pas ce que c'est, samoussa, pois chiche massalé, brochette de crevettes aux épices, brochette de poulet tikka, vindaille de poisson, feuilleté de cabri massalé, effectivement, bonbon piment, crème de lentilles et noix de cajou, poulet tandoori, curry d'agneau madras, crevettes korma, curry de poisson au lait de coco. Enfin voilà. Il n'y a pas de briané là-dessus? Si, Briani, machin oui, et tout. La base. Mais j'ai pas tout lu là, je suis arrivée qu'à la moitié parce que je commence à saliver en fait. Donc du coup, je vais m'arrêter là. On se donne rendez-vous donc demain soir. Rendez-vous demain soir. À 19h30 à l'hôtel Akoya. N'hésitez pas, allez-y, ça peut être très très sympa.